Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La FIFA souhaite rendre hommage au roi Pelé, en renommant des stades dans chaque pays du monde. Le joueur brésilien est pleuré par les plus grands de la planète football. Suite à cette demande de la FIFA, deux pays ont déjà répondu favorablement. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner. Vous le savez, c'est complètement gratuit, et en plus ça aide la chaîne à grandir. Et de toutes les façons, vous pouvez vous désabonner à tout moment, si vous n'aimez pas le contenu de la chaîne. Donc si c'est fait, nous allons commencer. Quelques jours après le décès de Pelé, la FIFA veut prendre les choses en main pour perpétuer l'héritage du maître à jouer brésilien. Le président de l'institution, Gianni Infantino, a ainsi déclaré travailler avec les fédérations du monde entier pour rebaptiser des stades du nom de l'emblématique attaquant. Nous discutons avec toutes les fédérations pour faire observer une minute de silence en mémoire de Pelé. Nous discutons aussi pour que chaque pays du monde ait un stade nommé d'après Pelé. Dans 50 ou 100 ans, quand un enfant demandera « qui était Pelé ?», nous pourrons alors nous souvenir de lui, a ainsi expliqué le président de la FIFA à la presse. Ce message a été reçu, 5 sur 5 par le Cap-Vert, premier pays à annoncer qu'il va rebaptiser un de ses stades. Inauguré en 2014, l'Estadio Nacional de 15 000 places, situé dans la capitale, à Praia, va ainsi prendre le nom de « Estadio Pelé ». En hommage et en reconnaissance de cette grande figure, qui nous ennoblit tout, j'exprime notre intention de nommer notre stade national, Estadio Pelé. Une initiative qui, je crois, sera suivie par plusieurs autres pays dans le monde, a lancé le premier ministre cap-verdien, José Ulys Correa, dans des propos rapportés par le site de la FIFA. Pelé était, et sera toujours quelqu'un, que tout le monde admire, au Brésil, dans les pays lusophones, et dans le reste du monde. C'est une icône qui rassemble plusieurs générations. Après le Cap-Vert, c'est le tour de la Colombie. En effet, cette requête de la FIFA pour rendre hommage au roi Pelé, a été bien accueillie. C'est donc le premier pays d'Amérique latine, à répondre à la demande du président Gianni Infantino. Ainsi, mercredi 4 janvier 2023, le gouverneur du département du Meta, dans le sud de la Colombie, Juan Guillermo Zuluaga, a ainsi annoncé sur Twitter qu'un stade de la ville de Villavicencio s'appellera « Belo Horizonte Pelé ». Il s'agit d'un stade de 15 000 places. Le centre a été inauguré en 1958. Il était auparavant appelé simplement « Belo Horizonte ». Cela signifie « belle ligne d'horizon » en espagnol. En effet, le stade abrite le modeste club de deuxième division colombienne, les Llaneros. Les générations futures doivent savoir qui était cette icône du football mondial, a déclaré Zuluaga. C'est là, un très bel hommage, que la FIFA, ainsi que les pays du monde entier, souhaitent rendre à Pelé. C'est vraiment important que l'œuvre de telle icône perdure sur la durée. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous aussi quel stade de votre pays souhaitez-vous voir porter le nom du roi Pelé. C'est déjà la fin de cette vidéo, faites-nous savoir si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ainsi vous serez informé des prochaines vidéos qui seront postées. Prenez soin de vous, bonne année 2023, et à bientôt dans une prochaine vidéo.